Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le 58e épisode de notre Let's Play sur The Legend of Zelda, Breath of the Wild. Bref, vous connaissez la chanson. Nous avions activé la dernière tour, voilà, on a toute la carte, comme vous pouvez le constater, de mise à jour. Et donc du coup, on va maintenant pouvoir se concentrer sur autre chose. Et j'avais parlé bien sûr des sanctuaires, mais j'avais envie de faire un petit peu autre chose et m'interroger. Me concentrer plutôt sur les petites quêtes du DLC. Vous vous souvenez très certainement de ces quêtes qui étaient apparues au début, parce que quand tu as acheté le DLC, à un moment donné, elles finissent par apparaître. Et vous voyez qu'on a toute cette liste de quêtes, de petites choses, ça, qui sont assez intéressantes. Et on va aller chercher, tout simplement, compléter ces quêtes. On va commencer par la première de la liste. Ex, le harnachement antique, relais des attelages. Alors, la rumeur prétend qu'il existe un filet qui augmente les performances des chevaux et une selle qui permet de les faire venir à soi en un clin d'œil. Il semble que l'édition spéciale Ex de Bourget Setou, consultable au relais des alpages, contienne des détails sur le sujet. Donc, pourquoi pas, j'ai envie de te dire, on va aller au relais des alpages qui se trouve donc juste ici, hein, comme on peut voir. Et on va voir, donc Bourget, hein, du coup, bah. Qu'on revoit hein, du coup dans la Gazette des Bois de Zelda Tears of the Kingdom, qui est le relais des Piaf, qui a été réaménagé en journal journal du monde, journal d'Hyrule, si j'ose dire. Alors, du coup, on va bien au relais des élevages tout précis. Et donc, Bourget, je pense qu'il va falloir lire un journal ou quelque chose comme ça. Alors, voyons voir. Ah, c'est ici. Bourget, c'est tout. Ex, spécial ex, volume 3. Lire. Bourget, votre spécialiste en ragots du Seigneur, vient vous présenter un scoop qui remonte bien avant de votre naissance. Il s'agit d'un secret millénaire, enfin révélé au grand jour, laissez-moi vous parler de ce trésor des temps anciens, le harnachement archéonique. Il y a très longtemps, bien avant que je sois né, il existait un harnachement extraordinaire. Il se composait d'un filet améliorant les performances du cheval et d'une selle, pouvant le faire venir en un clin d'œil. Le filet se trouverait sous un cerisier en haut d'une montagne où se rassemblent les animaux au sud des collines d'Hyrule. D'accord. Et la selle se trouverait près de l'étrange fontaine de l'esprit des chevaux. C'est en tout cas ce que dit la rumeur. Les voyages à cheval dans l'Antiquité, ça devrait être une promenade de santé avec un tel équipement. Intérêt 5 étoiles. D'accord, donc on vient d'avoir des indices sur... Alors ce qu'on cherche, c'est un filet et une selle apparemment. Alors, en gros, ils ont dit les coffres renfermant ces objets, donc il y en a deux. Alors, se trouve sous un cerisier en haut d'une montagne où se réunissent les animaux. Et près de l'étrange fontaine de l'esprit des chevaux. Alors près de l'étrange fontaine de l'esprit des chevaux, ça je crois savoir ce que c'est. Le lac de la divinité Ekim. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Hein. Possible. Ah.
Alors du coup, en théorie, la divinité Kin dans ces eaux-là, au cœur du garçon. Donc je pense que c'est ça. Ah. Ah oui, c'est un coffre marqué X. La selle archéonique, et eh ben voilà. Alors il reste l'autre, alors là par contre pour l'autre je ne saurais pas dire. C'était quoi l'autre qu'on a dit? Sous un cerisier en haut d'une montagne où se réunissent les animaux. Un cerisier en haut d'une montagne. Alors ce serait dans les environs? Je pense, hein. Parce que là, c'était quand même ici. Un cerisier en haut d'une montagne. Alors là. Ben Martha, la référence à Link's Awakening. Bah honnêtement, je vois pas du tout ça peut être hein, le deuxième. Je vois pas du tout. Sous un cerisier en haut d'une montagne. Donc ça veut dire que c'est tout en haut d'une montagne, on avait compris. Donc le cerisier se trouve en haut de la montagne. Si on résume. Est-ce qu'à un endroit, on aurait un cerisier tout seul? Là où ça me dit rien. Alors, par contre, elle avait donné un indice. Elle avait parlé des collines d'Hyrule. Il me semble. Est-ce qu'à un endroit, on a les collines d'Hyrule? Là. Ah, le mont Satori! Oui. Oui, oui, oui. Oui, c'est ça. Où se réunissent les animaux. Est-ce que c'est pas l'endroit où il y a l'alpha? Je crois que c'est ça. Oui, ça doit être ça. Hein. Bon, écoutez, on va y aller, hein, et puis bah on verra. Donc on va se diriger vers le mont Satori.
On va bientôt savoir si ma théorie se vérifie. Putain, mais il pleut à chaque fois. Hein. Et que peut voir mon jeu? Peu de viande. Sanctuaire dans le coin. Sers-toi de ma rage quand tu veux. Le voilà. Sanctuaire de Molatania. On va se faire ce petit sanctuaire. Allez, c'est parti. Ça va être. Petit sanctuaire cool. Observer les mouvements. J'observe, j'observe. Des Sylvains. Oh, il tire trois flèches. Ferme des gaz qui pue la merde là. Alors attends. Thank you.
300 rubis. Comme ça, on se fait pas chier. Bon, il était très simple, ce sanctuaire. Sympathique, mais simple. Mitya. On va pouvoir donc remporter un nouvel emblème du triomphe. Voilà, cerisier. Eh oui. Filet archéonique remporté. Ça, c'est plutôt un pas mal, ce qui met un terme donc à cette vidéo. Et oui, cette fois-ci, la prochaine fois, on continuera de se mettre en quête d'une autre des quêtes, du coup, en quête d'une quête, oui, c'est un petit jeu de mots, de ce qui nous a fait dans les quêtes, du coup, les quêtes du DLC, hein, comme ce que j'ai montré. Et donc, merci beaucoup de m'avoir suivi pour cet épisode, et on se retrouve.